C'est une très belle occasion qui nous réunit ce soir dans ces salons prestigieux du George V pour célébrer cet anniversaire, ce qui témoigne de l'intérêt que vous portez à notre institution, mais surtout de la vitalité des échanges entre les entreprises brésiliennes et françaises. Ce soir, nous avons l'honneur de compter aussi parmi nous le gouverneur de l'État du Rio Grande do Sul, M. Tarso Gero. De forme quasi automatique, a economia de todos os países torna necessário colocar a imaginação colaborativa em funcionamento. Le groupe Pão de Açúcar est désormais le leader de la grande distribution au Brésil. En 13 ans, son chiffre d'affaires a été multiplié par 8, passant d'à peu près 6 milliards de reais en 99 à près de 47 milliards de reais aujourd'hui. Olho nos seus olhos a o carinho e o amor que tem pelo Brasil e tenho certeza que se dependesse do embaixador, Expo 2020 iria para o Brasil e São Paulo. Les valeurs qui s'attachent à l'égalité, qui se traduit par des politiques publiques d'égalité, notamment pour le Brésil, des politiques de promotion sociale. Je m'arrêtais un peu, compte tenu de mes responsabilités, je m'arrêtais sur la justice pour rappeler que nos droits, nos législations ont des liens de parenté. Muito obrigada. Ça va être dur de parler pendant le dessert. Il y a un autre programme, nous, éducatif, d'éducation intégrale. Ça va être expérimenté dans 3 écoles publiques de l'État de São Paulo aussi. Donc, c'est un rêve d'avoir son modèle de la mixage des races. Un pays puissant avec des justices sociales. Merci. Pour la 3e année consécutive, cette soirée de gala aura été l'occasion de mettre en lumière les relations économiques franco-brésiliennes et surtout la richesse du potentiel qu'elles recèlent. Ce que j'espère, c'est que l'Atlantique soit beaucoup plus une union qu'une séparation et que les investisseurs et les chefs d'entreprise seront traversés dans les deux sens aisément. Je vous souhaite, chers amis, une excellente soirée. C'était intéressant de bien comprendre, même si les discours, tous les discours ont été assez généraux, mais on comprend un peu plus par les mots de ceux qui décident vraiment de leur stratégie première. Très bien, c'est très agréable, très bien organisé et très intéressant. Je trouve que de plus en plus, d'année en année, l'organisation est efficace. Et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de réunion dans lesquelles on voit des gens et on peut échanger sur nos expériences respectives entre la France et le Brésil dans différents domaines. Donc c'est toujours un échange assez riche.